les 10. Il y aura certainement de nombreux 10 et ce sera difficile. Alors, c'est rassurant pour les gymnastes d'atteindre cette perfection, mais plus difficile pour les juges de les départager. Donc, on risque d'assister à quelques petits problèmes de jugement pour les Jeux Olympiques, je le sens déjà. Ouais, c'est vrai qu'on ne le souhaite pas, mais une fois encore, on vous explique comment ça marche. C'est vrai que le code de pointage est revu assez régulièrement, en général toutes les Olympiades, tous les 4 ans, et que les athlètes maîtrisent tellement ce code de pointage et maîtrisent tellement la technique qu'au fur et à mesure des années, eh bien, on se rapproche de la perfection. Parfois même, on va plus loin que le code de pointage, on dépasse la perfection entre guillemets, hein, la perfection organisée. Et donc, on se retrouve dans des situations où plusieurs athlètes sont capables d'obtenir la note parfaite de 10. Et c'est vrai que là, on a atteint les limites du code de pointage pour départager celles qui sont les meilleures et qui sont, par définition, impossible de départager. Donc, effectivement, ça risque de poser des problèmes. On souhaite que tout se passe très très bien. Mais ce qui est certain, c'est que suite à Sydney, eh bien, les codes de pointage seront révisés. On s'attarde donc maintenant à cette dernière finale et la première équipe qui s'élance, c'est-à-dire le Japon. Japon, quatrième des derniers championnats du monde. Le Japon qui s'affirme plus que jamais comme l'une des grandes nations. Et Laurent, vous êtes bouche bée. C'est vrai que cette combinaison cerceau-ruban apporte une possibilité, une multitude de combinaisons possibles qui crée cette richesse et cet enthousiasme. L'enthousiasme, on est rassuré, pour les Nippons, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que le résultat est tout à fait séduisant. Oui, dans un groupe d'ensemble, mettre deux engins, c'est vrai que ça complique la tâche, mais ça peut produire effectivement des effets assez étonnants. On a pu voir notamment le cerceau rouler sur le ruban, et ici des sauts à la corde faits avec les rubans, c'est quand même assez prodigieux. Entre nous soit dit, heureusement qu'il y a le ralenti, et c'est vrai qu'on aimerait, nous spectateurs, avoir des ralentis sous des angles différents, parce que on voit beaucoup de choses et on loupe beaucoup de choses aussi. Voilà, regardez ici le cerceau qui roule sur le ruban. C'est quand même assez extraordinaire. Ah ouais, c'est tout à fait fabuleux. L'architecture, là. Hein. Elles ont découvert être très, très heureuses. Elles qui avaient terminé quatrième des qualifications, eh bien, elles se disent que pourquoi pas. Il y a peut-être un espace à prendre, une possibilité. Elles sont premières. 566. Elles avaient obtenu 19 600, légèrement, une note légèrement supérieure, lors des qualifications.